Voilà, bon bah bonjour à tous, et donc cette petite vidéo, ça permet de faire la présentation du cours du Radio Club de l'AOTI, F6KGL, F5KFF. Déjà bienvenue à tout le monde tous ceux qui sont sur le salon Amexpo. Je vais vous présenter un petit peu la manière dont on fonctionne ici au Radio Club pour dispenser les cours. Alors déjà, petit retour en arrière. Pourquoi deux indicatifs pour ce Radio Club? C'est qu'en fait, on avait à l'origine deux Radio Clubs, un Radio Club à Bondy, créé en 1972 sous l'indicatif F6KGL, et qui faisait de la formation depuis l'origine, auprès des OM du 93 et évidemment des environs. Et de nombreux OM ont obtenu leur indicatif à l'époque grâce au cours de F6KGL, et moi-même j'ai obtenu d'ailleurs mon indicatif en 1980 grâce au cours de F6KGL. Et ensuite c'est moi avec d'autres de l'équipe du Radio Club qui avons continué les cours. Et en 98, la mairie de Bondy nous a fait comprendre que nous étions de trop, puisque il n'y avait plus de Bondinois qui étaient membres du Radio Club. Donc on a été obligé de se regrouper avec le Radio Club juste à côté de chez nous, à Neuilly-sur-Marne, qui avait l'indicatif F5KFF. Donc voilà pourquoi les deux indicatifs. Et donc j'ai continué la formation ici à Neuilly-sur-Marne, une formation classique, et puis après en 2003, à la demande d'un élève qui arrivait systématiquement en retard puisqu'il arrivait vers 10h, il nous a demandé si on pouvait commencer à diffuser le cours sur 144, ce qui lui permettait, lui dans sa voiture, de suivre le début du cours et de ne pas rater le début. Et donc c'est pour ça qu'en septembre 2003, on commence à diffuser le cours sur 144 en FM. Et voilà. Et l'aventure de la diffusion du cours est commencée. En septembre 2006, on crée le site internet. Donc c'est un membre du Radio Club qui crée le site internet et qui se dit ça serait pas mal aussi de diffuser le cours directement sur internet. Ça permettrait comme ça à toute la France d'écouter le cours du Radio Club. Et puis donc on crée ce site internet, on crée cette audioconférence avec une webcam, et puis on enregistrait aussi les séances, donc au format MP3, et donc on mettait à disposition sur le site. Donc tout ça s'est mis en route à partir de septembre 2006. Et l'année dernière, donc septembre 2013, on change de système et on passe à l'ère moderne, puisqu'on a l'audio, la vidéo et un chat intégré. Et donc ça, c'est un OM, un autre membre du Radio Club qui nous a gentiment prêté son serveur. C'est pour ça que vous avez une adresse, une URL un peu bizarre, mais parce que en fait il nous prête une partie de son serveur et on lui en remercie bien. Voilà, petit envers du décor avant de continuer. Alors l'envers du décor, donc là je vais repasser maintenant sur la webcam. Donc ça met un petit bout de temps, ça vous permet de voir comment fonctionne un peu le logiciel. Que j'ai voilà, donc je suis passé sur la webcam. Donc la webcam, elle est derrière moi là. Donc vous voyez ici l'écran sur lequel j'ai le retour vidéo, mon petit clavier, l'ordinateur qui est juste derrière là, il est un petit peu par derrière. Et puis toute la salle du Radio Club, je vais en profiter pour faire un petit travelling à l'entrée du Radio Club. Et puis la salle de trafic au fond, et puis un petit peu de matériel au fond de cette salle. Voilà.
Et puis du matériel sur les étagères, comme dans tout bon radio club. Je ne vais pas aller plus loin faire le tour, parce que ça fait un peu peur de voir tout ce que l'on peut entasser dans un radio club. Voilà. Petite incursion aussi sur le cours. Voilà les documents que j'ai dont on va parler tout à l'heure, le fascicule qui est en vente au REF, ainsi que les questions d'examen que l'on a récupérées, là, qui sont là, ici, qu'on a récupérées via une liste de diffusion qu'on avait créée il y a assez longtemps maintenant. Voilà. Donc je vais revenir sur ma session. Ah, je vais faire un petit coucou à la caméra quand même. Hello, hello. Voilà, et je reviens. Donc en fait, maintenant, il suffit que je clique sur la capture d'écran et c'est reparti. Si ça veut bien repartir. Ça met toujours un petit temps de réponse. Le logiciel, voilà, ça y est, c'est reparti et je peux revenir sur le PDF. Alors, comment se connecter à cette fameuse session dont on parlait tout à l'heure? Bah, en fait, tout est indiqué sur le site internet du Radio Club. Donc, la manière la plus simple, c'est de taper sur votre moteur de recherche préféré F6KGL. Et en règle générale, le premier lien, ça concerne donc notre Radio Club. Donc l'adresse est www.f6kgl-f5kff.fr et donc vous arrivez sur la page d'accueil et pour le cours, en fait, vous avez dans les onglets là sur le côté un petit onglet qui s'appelle Formation F6GPX. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page dont on a ici une copie d'écran. Et il suffit ici de cliquer sur ce lien qui vous envoie donc sur la page qu'on voyait tout à l'heure et qui vous permet comme ça, alors vous rentrez votre identifiant, donc votre nom, votre prénom, votre indicatif, votre pseudo, tout ce que vous voulez. Et le mot de passe, c'est un mot de passe unique pour tout le monde et c'est session avec un S majuscule, donc S majuscule E2SION. Vous faites valider et vous avez accès à cette session, où vous avez à la fois l'écran de la web, alors soit l'écran, copie d'écran en fait, ou alors la webcam, hein, selon sur vers quoi je bascule, et donc vous suivez le cours en direct, vous avez donc l'audio évidemment, et sur le côté droit vous avez un chat qui vous permet de communiquer. Alors évidemment c'est pas filtré, donc les messages que vous les envoyez à tous. Dans la mesure du possible, si j'essaye moi de temps en temps regarder pendant le cours s'il y a des questions, mais c'est vrai que j'oublie souvent, donc ne m'en veuillez pas si j'oubliais de regarder. Voilà, bah c'est à peu près tout. Donc les cours ont lieu tous les vendredis soirs à partir de 21h30. Le serveur en lui-même est mis en route vers 21h15. J'arrive ici vers 21h au Radio Club. Le temps que j'installe un peu tout ça, que je mette un peu en place les équipements et puis surtout que je lance l'application. En fait, l'application fonctionne réellement à partir de 9h15 pour un début de cours vers 9h30 et ça se termine. Hier soir, ça s'est terminé à 11h10. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu de la longueur. Donc c'est tous les vendredis soirs, on a commencé en septembre, on finira la partie réglementation courant novembre. Et puis donc à la suite, on commencera la technique pour terminer à fin juin. Donc on aura un cycle complet. Toutes les séances sont enregistrées et sont mises à disposition sur YouTube. Donc même chose, vous allez en dessous. Sous formation F6GPX, il y a marqué MP3 du cours de F6GPX. Il n'y a pas que les MP3, il y a aussi les liens pour aller sur YouTube, puisqu'on a, on a créé une chaîne sur YouTube spécifique. Donc, si vous tapez même chose sur votre moteur de recherche favori F6KGL YouTube, vous ne pouvez tomber que sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, donc si vous souhaitez participer à ce genre
deux cours, pas de problème, ils sont ouverts à tous. Et donc, bah, bienvenue. Petite chose quand même, ayez à côté de vous le manuel. Donc là, j'ai mis une copie une copie du manuel donc août 2012. Donc ça comprend tout le cours, mais ça comprend aussi une 50 séries d'exercices. Le cours est mis à jour tous les ans. Alors c'est vrai que la partie réglementation bouge beaucoup. En revanche, la technique, elle, bah, elle bouge pas trop. La loi d'homme, elle n'a pas trop bougé depuis qu'on l'a trouvée. Voilà. Sur ce, eh bien, bon salon à tous. Et puis bah, à l'occasion de se retrouver sur cette connexion. Bye bye.